Pour moi, mon équipe passe toujours en premier. Donc, je commençais à créer un groupe de leaders. Parce que, voyez-vous, dans Usana, on fait la duplication. C'est ça qu'on dit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un groupe de leaders que je les rencontrais chaque semaine. Puis, je commençais à bâtir. Puis, je travaille beaucoup avec les immigrants. Donc, nous, les immigrants, on a un grand pourquoi. Parce qu'on est venu vivre le rêve américain ou le rêve canadien, qui c'est pratiquement la même chose. Donc, pas seulement de travailler avec des leaders, mais aussi de travailler avec les gens qui ont le potentiel de leadership et de développer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris plusieurs hommes et femmes dans mon équipe de différentes origines. Donc, j'ai une équipe multiculturelle. Puis, j'ai commencé à les grandir comme leader. Puis, c'est sûr que j'ai eu beaucoup l'aide de mon upline. Puis, j'ai appris d'eux. Donc, pour moi, bâtir une équipe solide, ça commence avec ton groupe de leaders qui vont développer leur leadership. Puis, voilà, il y a quelque chose que j'ai bâti dans 10 pays.